Salut à tous, c'est DSSWX9 pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2 Zombie. Alors, cette vidéo est spéciale, en quoi? Je l'ai dit dans une des précédentes vidéos que je vous ai dit que j'allais faire un zombie et que comment dire, ce truc serait la spéciale sans abonnés. Alors, par contre, si vous êtes des abonnés fidèles, en fait, il y a un petit concours, mais pour ça, il y aura mon Skype dans la description. Vous mettez juste un j'aime, voilà. J'ai pas besoin de plus et être abonné bien sûr à ma chaîne. Et je vais poser quelques petites questions que comment dire ceux qui me suivent depuis un peu moins de temps ou plus de temps, voir si vous êtes vraiment des abonnés actifs. Et puis voilà, je vous poserai quelques petites questions. Un petit questionnaire tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Normalement, je vous l'ai dit dans une des dernières vidéos. Enfin, première place, vous avez un logo et un background. En deuxième place, vous avez un background. Et troisième place, un logo. Je sais, c'est pas grand-chose, mais comment dire, je n'ai pas trop d'argent. Je voudrais bien, mais. Vous voyez, j'ai même un HDPV, pas un HDPVR, un Triton X-Pro acheté, presque aussi cher qu'un HDPVR. Et le gros problème de ceci, c'est que je voudrais bien vous payer un truc, mais j'ai pas du tout d'argent. Si un jour je suis, comment dire, en partenariat YouTube, je vais garder l'argent du partenariat YouTube pour vous offrir des cadeaux, tous les spéciales. Ça sera comment dire multiplié comme là la prochaine comment dire le prochain but que je me fixe c'est 500 abonnés. Je sais c'est pas grand chose mais moi personnellement je trouve que c'est pas mal. Alors je vous remercie quand même. 100 abonnés peut-être c'est pas grand chose au vu de quelques-uns que je connais. Moi personnellement je trouve que c'est énorme. Et puis les gars qui me suivent, enfin il y en a pas mal que je connais, ils sont très très gentils. Alors par contre ce que je tire au sort en fait, c'est que le concours, je vais tirer au sort en fait. En fait c'est que je vais demander à tous mes abonnés, enfin ceux qui participent et qui m'auront ajouté sur Skype et qui me parleront. Je vais ajouter tous mes abonnés, vous me dites... Une invitation de d'abonner sur comment dire quand vous allez m'ajouter sur Skype parce que sinon je vais pas comprendre qui c'est et je risque de refuser voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous demander même si vous voulez on pourra parler pendant un certain temps. Moi franchement j'aime bien parler même vous pourriez demander à tous mes associés enfin ceux que je parle d'associés c'est Gunfinger, Zombie et autres. Franchement, Zombie, je le connais depuis maintenant 3-4 mois. Franchement, c'était grand plaisir de le connaître. Enfin, vous le connaissez peut-être pas. Mais franchement, si un jour vous avez l'option de le rencontrer. Et aussi Samuel, une rencontre que j'ai rencontré il n'y a pas très 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 longtemps. Enfin, c'est des amis de Minecraft. Mais comment dire, Samuel est très 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 gentil comme zombie, mais un peu moins. Enfin, je préfère zombie parce que zombie on se connaît beaucoup plus. Voilà, on se comprend comme un frère et un autre frère. On est des frérots comme moi et DSS Steven qui est sur Call of. Mais le problème, c'est que je le vois plus depuis 8 mois et 8 mois c'est énorme pour moi. J'espère que s'il nous voit sur les vidéos, eh ben, je lui dis un petit coucou et que je l'aime beaucoup. Non, pas du côté que certains croiront. Du côté, comment dire, frère. On est beaucoup plus frères, lui et moi, que, comment dire, voilà. Les zombies aussi. Franchement, je le vois très souvent sur Skype, il est connecté tous les soirs. Et puis voilà, j'espère faire une vidéo avec lui dès que mon problème de Skype Recorder sera terminé. Parce que ce problème de Skype Recorder, je l'ai pas encore réglé. Je sais pas d'où ça vient. Franchement, ça pourrait m'énerver. Alors par contre, la partie que vous voyez, c'est une partie directement
Ah, ah merde. Oh putain, j'avais pas vu celui-là. Parce que je me concentre sur le commentary. Mais il serait pas mal que je me concentre aussi sur le gameplay. Parce que on arrive quand même à la manche 3, 4 et c'est pas mal. Enfin, là, c'est aussi que j'ai pas joué depuis certains moments aux zombies. J'aurais dû m'entraîner. Ah non! J'aime pas cette putain de lave. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez, vous. Moi, franchement, je l'aime pas du tout. Alors, moi, j'allais vite fait faire 2-3 boîtes. Maintenant, je peux en faire que une. Donc, on va faire une boîte. Écoutez, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, ben on va tranquillement se diriger vers là-bas. Parce qu'en fait, j'ai pas de bonne arme. J'aurais pu faire comment dire, la technique que moi j'appelle la technique du point taser. Vous prenez le point taser dès que vous avez 6000. Après, vous prenez tous les atouts dès que vous avez cuté. Enfin, vous avez tapé tout le monde avec le point taser. Et dès que vous avez assez pour vous acheter tout ce que vous voulez comme atout, vous achetez des boîtes. Et dès qu'il est manche 13, je crois. Eh bien là c'est vous la coulez douce, vous avez sûrement le pistolet laser comme lui là. Enfin, faut avoir du bol quoi pour tomber sur le pistolet laser. Vous savez bien. Enfin, moi franchement j'ai beaucoup de chance d'habitude, je tombe d'habitude le premier avec le pistolet laser. Mais ces gens je les connais pas du tout. J'ai lancé une partie au pif parce que j'avais pas envie de vous proposer un truc très 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 long, mais pas très quelque chose de très très court non plus. Même si ce truc s'il se termine pas trop long, oh, c'est pas grave s'il est très long parce que franchement j'ai le temps de l'upload. Aujourd'hui c'est mardi. Hier je vous ai montré une petite vidéo info par rapport à mon micro. Là normalement il s'est comment dire remis, je sais pas pourquoi il a fait ça tout à l'heure, enfin hier. Et j'ai fait un petit fail quand j'ai parlé, j'avais pas vu. Quand j'ai dit j'ai changé mon Nike 180 pour un Nike 180, j'ai dû me fail. Non, je veux pas échanger contre Nike 180, je vais essayer de m'acheter un Nike Pro. C'est beaucoup beaucoup mieux. Et puis ça m'aidera grandement pour faire des commentaries. Et dites-moi si ça vous plaît ce concours, même mettez un j'aime. Enfin, normalement c'est le principe après être abonné. Après tout ce que vous voulez, normalement, je demande pas de mettre dans les commentaires, je participe parce que voilà, y en a beaucoup qui pourront faire ça. Mais seuls les flemmards qui seront vraiment pas abonnés à ma chaîne et qui vont juste s'abonner pour le truc. Ils vont pas mettre je participe, enfin non, ils vont pas m'ajouter sur Skype, ça sort des flemmards. Je sais que pour ceux qui. Parce que de toute façon, la vidéo, cette vidéo, comment dire, je mettrai ouvert. Tant que comment dire. Au pire, non. Je dis parce que. Regardez la date, parce qu'en fait, ça sera. Comment dire. Sûrement le tirage au sort sera jeudi ou un peu plus tard, peut-être dimanche. Alors vous avez totalement le temps de m'ajouter sur Skype. Et pour ceux qui viendront sur ma chaîne prochainement, enfin ça veut dire dans par exemple un mois, deux mois, 3 mois, 4 mois ou 1 an, 2 ans, si vous regardez cette vidéo, regardez bien la date. Normalement, cette vidéo date de 2013 janvier. Alors si vous mettez enfin vous m'ajoutez sur Skype pour le concours, ça sera un certain temps que je l'aurai fait le concours. Enfin, il y en a certains qui font ça. Même moi une fois je croyais que le concours était encore actif et j'avais pas vu que le comment dire le commentary datait de d'aussi vieux. Et moi ça m'arrive des fois de temps en temps. Quand je veux participer à quelques concours. Parce que j'essaye de gagner pas mal de concours. Pour des Triton X Pro. Comme ça, j'aurais pas besoin d'utiliser mon argent pour le Triton X Pro. Je l'aurai directement. Je sais qu'il faut pas trop faire confiance à des trucs. Des concours. Enfin, moi personnellement, si un jour je fais un concours, vous pouvez faire confiance à moi. Je vous décevrai pas.
Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Dès que j'aurai peut-être un peu plus d'abonnés. Enfin, pour l'instant, je vais me contenter de ça parce que, comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est pas comme si j'en étais à, on va dire, à... Je peux pas vous dire un peu plus quoi. Et ben voilà, je peux pas vous offrir plus que je n'ai. Franchement, je suis content déjà de vous offrir ça. Et puis voilà, enfin peut-être un background et un logo, c'est pas grand-chose pour certains gars qui voudront avoir autre chose. Mais voilà. Le gars, il veut me faire chier, quoi. Il est contenté à me faire perdre mon argent, c'est ça? Ben, je crois que je vais les coincer pour qu'ils meurent, parce que s'ils font ça, ça va m'énerver. Je vais essayer de voir leur pseudo et les ajouter, les engueuler parce que franchement c'est pas fair play ce qu'ils font. C'est vraiment pas fair play. Ça doit être des kikoulol parce que des gars pour faire ça, un zombie surtout, c'est que soit ils veulent s'amuser entre potes, soit qu'ils veulent m'emmerder sérieusement. Parce que d'habitude il n'y en a aucun qui m'a fait ça. Depuis Black Ops 2, enfin depuis Black Ops 1, ben, même en Black Ops 1, il n'y en a aucun qui m'a fait chier d'habitude. À normal pour les boîtes, franchement, c'est une merde les bombes IEM en zombie parce que ça peut aider pour le boss de transit, mais moi, franchement, je leur dis, si je crois pas qu'il y en aura un qui regardera mes vidéos, mais si un des fondateurs de. Enfin, un gars qui a créé Call of Duty essayer de patcher les grenades IEM parce que c'est énervant pour les coffres. Enfin, je vois pas pourquoi ils font ça parce que franchement, ça peut les aider si je meurs par exemple. Ça peut les aider. Je peux les sauver. Que là, en fait, c'est eux qui se sauvent pas. Enfin, moi, personnellement, je meurs pas beaucoup une fois que j'ai Masto. J'espère que je vais contenter le commentary. Enfin, peut-être qu'il y en a pas qui vont regarder le zombie entièrement. Mais s'il y en a beaucoup qui regardent mon zombie jusqu'à la fin, ben, franchement, je vous dis merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que il y en a beaucoup, beaucoup. Et même, attendez, pour ceux qui regardent la vidéo là, je vais vous parler d'un petit truc pour le concours. Je ne mettrai pas dans le titre le concours nanana parce que je dirais la spéciale 100, même pas. Je vais mettre la spéciale 100 aux abonnés ou un petit truc comme ça. Enfin, un titre Black Ops 2, comme d'habitude, je mets en premier Black Ops 2 spécial 100 abonnés et Call of Duty Black Ops 2 zombie. Et je mettrai spécial 100 abonnés. Franchement, moi je suis content que d'avoir 100 abonnés, même si c'est pas énorme. Enfin, franchement, je croyais pas que j'allais atteindre les 100 parce que un certain stat à 57 abonnés, je crois. Il y a comment dire, eu un vide d'un coup. Le vide, je l'ai vu. On va dire très rapidement sur ma chaîne, ils étaient plus du tout actifs, il n'y avait plus aucun abonné qui s'abonnait à ma chaîne, c'était un stade vide pour moi, ça a été comment dire quelque chose que j'ai pas du tout aimé, mais bon, comment dire dans toutes les chaînes YouTube il y aura un vide. Maintenant je conseille à tout le monde comment dire si vous comment dire vous êtes à pas beaucoup d'abonnés et que comment dire vous galérez sur YouTube, n'arrêtez pas YouTube. À mon avis, soit c'est une passion, soit une autre chose qui me déplaît. Mais si comment dire, si vous êtes sur YouTube, c'est pas pour rien. Allez jusqu'à à fond pour ce que vous voulez faire. Quand vous commencez un truc, moi je vous conseille de le terminer, même si c'est pas toujours bon, mais peut-être
peut-être même ça peut vous, comment dire, vous attrister de pas avoir des abonnés comme vous le voulez. Moi franchement, peut-être moi, je, comment dire, je commente les gameplays un peu, comment dire, j'ai l'air un peu triste quand je fais mon commentary, mais pas du tout. Je suis super content, mais en fait c'est que mon ton, enfin mon accent aussi, et comme j'ai une voix assez grave, ben, je sais pas, ça fait ce genre de truc, mais pourtant je suis très content. Je suis vraiment comment dire, à l'aise là sur les vidéos. Je suis pas comme il y a on va dire 1, 2, 3 mois, enfin ouais, 2, 3 mois, ouais, il y a 2, 3 mois j'étais pas du tout comme ça. J'étais pas à l'aise quand je faisais les vidéos. Grâce à Captain Falcon, enfin, celui qui sera dans, enfin pas dans le dessous de la vidéo, mais il est parmi la Sudbox. Franchement, allez regarder sa chaîne, c'est un gars énorme. Il fait pas mal de séries. C'est une gamer polyvalent, ça veut dire qu'il fait des vidéos d'à peu près tout. Son jeu de départ, c'était DayZ. Si vous voyez que, comment dire, ces vidéos de départ et DayZ, ben, je vous invite à aller regarder ses anciennes vidéos. Mais lui demandez pas trop de faire des vidéos de DayZ parce que, comment dire, il attend d'avoir le jeu pour voir si c'est ce qu'il y a de différent entre le nouveau et l'ancien. Parce que vous ne le savez peut-être pas, le jeu va sortir en jeu complet. Et Captain Falcon va faire quelques vidéos dessus peut-être, je sais pas. Et en fait c'est que il veut plus jouer à la bêta, enfin parce qu'il y a eu un grand problème, c'est que maintenant il y a, comment dire, pas mal de cheats qui permet d'avoir par exemple la C130 ou des trucs comme ça, et qui sont très rares dans le jeu, qui peuvent faire très mal. Et voilà, il m'en avait parlé un peu, Captain Falcon, en privé. Franchement, c'est un youtubeur qui est super bien. C'est mon préféré youtubeur. C'est depuis que j'ai rencontré la chaîne YouTube de ce youtubeur. Ça m'a fait rêver les jeux qu'il présentait. Et puis voilà, enfin en ce moment il fait une série sur Borderlands 2, une série sur, je me rappelle pas vraiment les deux autres jeux, mais ah oui, Counter-Strike, je sais plus quoi. Enfin moi je suis pas trop avancé sur les jeux sur PC, je sais pas si même Counter-Strike est sur PS3, parce que les jeux comme ça je joue pas trop, même si ça peut être intéressant. Moi sur PC je ne ferai pas trop de vidéos PC parce que il faut que j'apprenne déjà à me servir de certains trucs comme comment ça s'appelle, oui, ben ah merde, comment ça s'appelle, je l'ai pas dans la tête, je regarde vite fait, oui, frappe ça, voilà. Il faut que je m'apprenne à me servir de Fraps pour que, on va dire, ça fasse moins de gigas. J'ai enregistré une vidéo de 32 minutes, ça faisait 36 gigas. Vous vous rendez compte? 36 gigas sur mon PC, ça prenait de la place énorme. J'avais pas vu que ça faisait 36 gigas. Pour faire un temps d'upload de 36 minutes, vaut mieux que je fasse une série, quoi. Limite, parce que 36 gigas, même mon HDP vert, il faudrait que je fasse, comment dire, un truc de à peu près 5 ou 6 heures. Eh ben non, 36 minutes avec la Fraps, eh ben non, ça fait, je sais pas. Ben, dites-moi dans les commentaires si on peut diminuer les gigas que ça prend Fraps quand vous faites des vidéos. Et je sais qu'on peut le compresser, mais je préfère directement que la vidéo fasse moins directement, parce que il suffit que je déborde un peu sur les gigas et je peux avoir des dossiers perdus, parce que, et même ça peut me faire péter mon PC des gigas autant en plus, quoi. Parce que là j'ai pas mal de logiciels qui me prennent de la place sur le PC, et je peux pas les désinstaller parce que c'est des trucs très importants ma carrière de youtubeur.
pas mal de vidéos que je garde, on va dire, bientôt je vais les mettre sur une clé USB, mais je les garde par exemple pour faire des best-of plus tard de mes anciennes vidéos rigolades et tout ça. Mais là pour l'instant je fais pas des vidéos comme ça puisque je n'ai pas encore beaucoup de, comment dire, et même les best-of je les ferai vers les 1000 abonnés ou un truc comme ça, ou même les 10 000 abonnés parce que franchement c'est dur de réunir plusieurs gameplays. Faire remarque que je fais pas mal de vidéos, mais pour l'instant il faut que je règle le problème de Skype Recorder. Si vous avez un truc qui permet d'enregistrer deux voix en même temps sur Skype et qui bug pas du tout et que, comment dire, parce qu'à la fin je vous ai dit, en fait ça coupe la fin du commentary sur le logiciel Pinnacle 15, et pourtant je le vois bien affiché sur Skype Recorder. Ça doit être un bug parce que à la base en fait j'ai enregistré par exemple pour la fin de la vidéo, et bien il y aura que les trois quarts de la vidéo que vous allez entendre, et le reste en fait c'est qu'il n'y est plus. Alors pour l'instant j'ai peut-être trouvé une sorte de petit tuto en fait. Oh non, oh non 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 non, ça fait ça. Je me suis suicidé. Oh non. Eh ben si. Eh ben désolé tout le monde si ça a fait ça. Remarque, on tourne depuis combien de temps? J'ai regardé vite fait. On tourne depuis 21 minutes. Alors, ben, à la prochaine tout le monde pour une vidéo de... je sais pas encore. Je verrai. Si je récupère Far Cry 3, je vous ferai une vidéo sur Far Cry 3. Voilà. Bon, à la prochaine tout le monde pour une vidéo. Voilà, je l'ai dit, ça, je sais pas, je me répète sans arrêt. Si, comment dire, je continue la conversation, je dis toujours à plus tout le monde. Bon, à plus tout le monde cette fois, à plus. Allez, au revoir.